Bonjour, je m'appelle Moïse Aïkanat, je suis le directeur de ce sublime endroit qui s'appelle le Nard Marseille. Nous avons la chance d'avoir 150 chambres toutes vues mer. Le Nard Marseille étant un lieu de vie, ça veut forcément dire qu'il y a une activité nocturne assez intéressante à travers deux bars, dont le premier qui se trouve au niveau du rooftop, le Sky Bar, et notre tunnel bar en bas, face à la mer, qui reste une identité assez forte de l'espace. Nous avons forcément de la restauration. Elle est orchestrée par Adèle Dakar, notre chef, ancien candidat de Top Chef, qui propose une bistronomie orientée sur les produits de la mer et méditerranéenne. Le Nard Marseille a encore un spa avec un bassin intérieur, un jacuzzi intérieur et extérieur, un hammam, mais surtout quatre cabines de soins qui sont très très demandées actuellement. Nous avons pratiquement 1800 m² de salles de réunion, dont un amphithéâtre de 350 places, où on peut organiser tout type d'événements, allant de la réunion de travail jusqu'aux événements privés, voire même des événements assez atypiques, comme des gamers qui se rassemblent pour pouvoir jouer sur grand écran dans l'amphithéâtre dont nous avons parlé. Le Nard Marseille se situe au 200 Corniche Kennedy, entre l'hélice de César et le rond-point du David. Depuis 2020, nous avons obtenu le label Clé Verte, mondialement connu pour son respect de l'environnement, qui nous oriente sur le respect de certains gestes et certaines démarches, comme notamment avoir cette petite ambition à fin 2022 de pouvoir supprimer l'ensemble des plastiques de notre hôtel. Depuis la rénovation en 2018, les architectes Teresa Sapé, Christian Lefebvre et Claire Fatome ont apporté une réelle touche de design et de décalage artistique qui nous permet de nous démarquer par rapport à une hôtellerie un peu plus traditionnelle. Et comme je vous parlais de la piscine, sachez que cette piscine est alimentée par une source qui se trouve dans l'hôtel et cette source vient du Roucas Blanc. Multiculturel, dynamique et lumière.